Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon petit Xelor donc voilà une classe que j'adore jouer vraiment j'ai énormément de plaisir avec mais je trouve que j'ai pas mal de lacunes je fais pas mal d'erreurs vous le voyez souvent et du coup ce que je me suis dit c'est que ce serait l'occasion d'y jouer un petit peu plus Tout simplement parce que le Xelor j'y joue entre une demi heure et une heure on va dire par semaine parfois un petit peu plus parfois jusqu'à 2 3 heures mais grand maximum et je joue globalement avec ma team et j'ai envie aussi de vous proposer du 1v1 notamment avec le Xelor parce que c'est quand même joli à regarder c'est une classe que moi voilà j'apprécie beaucoup je trouve très sympa très plaisante surtout que si on connaît pas forcément que c'est l'or c'est euh, un petit peu euh, c'est joli à regarder vous voyez les petits moves avec les états téléfrag et tout c'est très sympa donc voilà ce que je me suis dit c'est que j'avais envie de changer d'élément parce que l'élémentaire pour moi n'est pas un élément qui va me permettre de progresser beaucoup mieux parce que c'est un petit peu toujours la, la même chose vous allez faire une frappe un rayon une gélure un rayon et ça va toujours être pareil par contre vous allez taper très fort hein, ça c'est clair et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de changer de faire un petit mode d'air. donc je me suis entraîné je fais quelques combats de colis juste avant je suis à 3200 de côte et le problème c'est que je tombe souvent contre 190, 200 et franchement bah et la plupart je me fais rouler dessus c'est normal j'ai pas le j'ai pas le level et combien 163 bon très bien un roublard ça va être très bien parfait pour la vidéo pile quand je lance le record ça fait super plaisir bon alors let's go je, je m'échauffe toujours un petit peu avant quand même alors soit vous privilégiez un do coco soit vous privilégiez un miraculé ça vous de voir Peut-être que le Do Coco sera pas forcément utile dans ce combat parce qu'on n'aura pas forcément le, le temps de le voir pendant je sais pas combien de tours. Euh, bah si vous avez plus de 7 tours c'est utile, mais sinon, enfin plus de 6 c'est utile, sinon non. Donc c'est pas souvent le cas. Euh, à bas level, je veux dire, en général, ça va très vite surtout avec le Xelor. Et j'avais envie de le mettre dans l'élément R, parce que je trouve l'élément R vraiment hyper intéressant. Alors on va dire. Pardon, on va dire hello. Hello ah bon, restez poli, toujours poli, restez poli, hein, c'est toujours bien. Euh, donc euh, on va mettre ici, ici. Il faut s'approcher, hein. Mais du coup, j'hésite à me mettre par là, en fait. Ouais, je pense que je vais me mettre par là. Donc je me mets par là parce que, pour que la fuite revienne vers lui, parce que si je l'avais fait euh, dans ce sens-là, je serais revenu ici avec la fuite. Bon, ouais, c'est pas très important. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça et on va faire euh, ça. Et une seule, comme ça je reviens à la place de la kawatte et pas deux, euh, nickel, donc il euh, n'y a pas de souci. elle est boostée avec le téléfrag, donc euh, voilà, je voulais un mode R retrait PA pour à la fois faire du 1v1 et du 3v3, pour vous, pro vous proposer les deux, toujours continuer avec ma team, maintenant que j'ai l'Eka qui est vraiment un damage dealer, et comme euh, je trouve ça vraiment bah, plus intéressant que, enfin, j'aimais bien avec Upermage, hein, vraiment j'adorais, je trouve ça vraiment cool comme ça, avec l'Eka, donc je me dis qu'avec le Xelor retrait PA, R en plus, ça pourrait être très intéressant, et qui il, il pourrait aussi très bien taper, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Ok, bon, on... est-ce qu'on s'approche tranquillement J'ai quand même 15 PA là hein Pour vous dire, j'ai quand même pas mal de PA. On pourrait aussi taper l'explo euh, juste pour commencer à l'affaiblir la, à la, à parce qu'on ne sait pas quel élément il est. Ah oui, elle est, elle est démo. Euh, ok, bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va momie, c'est assez important de momification. Euh, on va faire un vol du temps sur ma petite truc ici, on va faire ça ici, ici. Une petite fuite. On va pas mettre de cadran, On va juste faire ça. On va juste faire ça. On va rien faire de plus. J'ai pas envie de non plus... Euh... Ouais, je préfère que Iscaboo, mais qu'il s'approche de moi, lui. En fait, je me mets visible parce que je me dis que lui, il va sûrement vouloir bot sa bombe, s'avancer. Voilà. C'est ça que je veux. Je veux qu'il puisse s'avancer vers moi. Et s'il s'avance, bah il... il force un petit peu... Enfin, l'utilisation de mon jeu à moi, donc j'aime bien. Ok. Bon, on peut essayer de tuer ses bombes. On peut aussi tout simplement continuer sur lui. J'aime bien l'idée. On va voir. Alors ce qu'on fait. Donc il est feu, il a tapé assez fort. Voilà, c'est ça que je veux voir. Merci de t'approcher. <laughs> bon. Euh... Alors j'ai pris pas mal cher quand même, mais ça va au final. Donc nous on a 14 PA, c'est pas dégueulasse. On peut, on peut éventuellement juste chercher un rayon par là. On peut donc faire un, une poussière temporelle derrière. On peut faire ça, ça. Euh, et soit là on essaye de retirer des PA, ce qui est pas mal avec un flou, soit on essaye de s'écarter. Euh, ok, on fait flou et on s'écarte. On pouvait faire une TP ou un truc comme ça. Genre par exemple essayer de se décaler là. Alors euh, où est-ce que ça passait Non, ça passait là. Donc j'étais ici, je pouvais m'avancer là. Ok, il peut botter, il peut faire plein de choses. Est-ce qu'il aura toujours le kaboum Oui. Voilà, il va sûrement donc faire un, un petit rouble Un, un rouble Bon, alors est-ce qu'il me tue au tour prochain <laughs> C'est ça la vraie question. Est-ce que moi je le tue Est-ce que, je... est que lui il me tue euh, J'aurai une fuite ou pas Ouais, j'ai une fuite donc je vais revenir là-bas. Ça c'est pas ouf par contre. C'est pas très ouf. Non, 400, ça va, je tiens, je tiens Je tiens, je tiens, je euh... tiens. Je suis assez triste que ma... que ma synchro soit loin. Ok, donc il va se pousser alors, je suppose Après, s'il se pousse, c'est pas trop mal pour moi. Non, c'est bon. Ok. Euh. Est-ce qu'on peut le mettre dedans Non, il a toujours l'état kaboom. Il est toujours en état téléphrag. C'est assez sympathique. Alors. Ok, du coup on va faire ça. On va faire ça. Ça. Voilà. Ça. Et ça passe pas <laughs> Et ça passe pas, les amis. On va se mettre de ce côté-là. <laughs> voilà, si tu tue maintenant, c'est gagné pour lui, si tu pas. Hein, ça marche, ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, si vous avez des idées de stuff R, n'hésitez pas à me les proposer. À mettre des Dofus Planner, Dofus Book, vous connaissez un petit peu tous ces systèmes là. Donc 160 avec bonne base de résistance. Que je puisse faire, puis faire pardon, du 1v1 ou du 3v3. Ok, alors cette bombe là, si l'aimante, elle ne me touche pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, il faut qu'il choisisse ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut. Dernier souffle, poser la bombe. Est-ce qu'il veut juste poser Est-ce qu'il veut dernier souffle, péter On va voir. Dernier souffle, ok. Est-ce qu'il va péter Non, celle-ci ne me touche pas. Hein. Ah, il s'est tué <laughs> Il s'est tué <laughs> Il s'est tué notre ami. Et ouais, vous voyez que ça a duré 4 tours au final. Des fois, le Do Coco est pas si utile que ça. Quand vous savez que vous allez affronter des classes, justement, où, euh, où là va y avoir besoin là, du Do Coco, parce que ça va durer, genre Feka ou des classes comme ça. Mais dès que vous affrontez un Damage Dealer, euh, bon Kra, de toute façon, vous allez vous faire rouler dessus. Hein. Quoi qu'il arrive, SRAM, par contre, là vous avez besoin du Do Coco parce que le combat va durer longtemps. Et il y, euh, y a des combats qui sont vraiment cool avec SRAM. Donc, on va mettre ça. On va dire bonjour. Toujours rester poli. Hello. Hello, ok, c'est parti. Let's go. On va faire prêt. On s'en fiche que qui a l'initiative. On va pas. Moi, je cherche pas trop à, à me battre pour a ligne. Si a ligne, tant mieux. Si j'ai enfin, si la ligne, tant pis. Si j'ai l'initiative, tant mieux. Et puis, on se prend pas trop la tête. On y va. Ok. Euh, on va faire toujours le même tour, sur la même map, je crois bien, hein, la petite map. Oh my god, enfin contre toi, MDR. Eh ben, bon match. <laughs> bon match, l'ami. Ok, on se met ici. Là, il n'y a pas de raison qu'ils nous mettent dans un état particulier. Bon, la synchro, on était un petit peu gêné qu'elle soit là-bas. Donc, on va la mettre plutôt ici. Voilà. On apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs. On fait, on fait des erreurs. Ça, c'est clair et net. Comme tout le monde, je crois. Personne n'est parfait. 3200 points de vie. 15% terre. Donc, pour nous, c'est bien. On va essayer de se débrouiller à faire des choses plutôt sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Aria. SK. Euh... Ok, il prépare, il prépare, un réseau. Ce qui peut être assez, assez gênant en vrai, hein, qui peut être assez gênant pour moi, parce que le petit réseau peut me, peut me, faire, euh, peut me faire, très mal. Donc là, la Kowat, elle est téléfrag, mais nous, est-ce qu'on en a une utilité ou pas? En fait l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on cherche à savoir où il est, ou est-ce qu'on s'approche gentiment, j'ai même libé pourquoi pas euh, ma petite euh, synchro. On peut essayer de placer des invoques pour l'instant, euh, on peut faire un petit vol du temps ici, on peut... oh j'aurais pu le faire sur mes invoques. Ok, pas de crit, je vais pas faire de flou, je vais pas faire de choses vraiment étranges, on va juste avancer. <laughs> ok il est là, avec ses petits 8 PM, plus que 6. Ok, il est là, encore 6. Piège mortel, piège tournoi, piège répulsif. Ok. Mmh. Ouais, bon, de toute façon, il est dans ce, dans ce lot-là, là-bas derrière, mais on, doit, on devra attendre, malheureusement, on devra attendre. Euh... Hmm. On m'omit pas encore, hein. c'est prochain tour qu'on m'omit, c'est prochain tour qu'on fait le flou, qu'on prépare en fait notre tour. Parce que là, il ne sera pas visible au tour suivant. On a encore un tour de jeu. Et bah du coup, je sais vraiment pas quoi faire les amis. On est un petit peu bloqué, on peut peut-être essayer de faire euh, des, des téléfrags entre les entre les créas. Ouais, allez go. On va faire ça. On va booster donc ma petite euh, ma petite synchro. Euh, on va se mettre là, on peut peut-être essayer de la péter, on va faire bon, ça toujours. Voilà, toujours le vol du temps. Des petites fuites. Un petit compte pour le compte pourquoi pas hein, si jamais il veut venir encore à corps. Voilà. OK. Alors là il s'est vraiment écarté, on sait qu'il a préféré se mettre de ce côté là, il continue son réseau, son réseau me fait peur parce que je sais que si je rentre dedans je vais me faire détruire On va voir ce qu'on peut faire, et moi voilà, aussi, alors deux petites choses, comme je suis passé level 160, déjà j'ai accès à un petit peu plus de stuff c'est cool J'ai acheté par exemple, j'ai acheté, bon, j'ai accès euh, au, euh, je l'ai pas sur moi euh, donc l'alliance souveraine droit 5, ce genre de choses. Donc là on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire flou les amis. Il faut faire euh, Donc euh, la fuite, il faut préparer un petit peu tout. Euh, nous on peut faire quoi pour euh, se préparer On va faire ça, la petite poussière pour booster la synchro, on va se mettre de ce côté-là. Oh Et eh ben voilà, je suis rentré dedans. Par, euh, par mes gardes, par inadvertance, on peut faire ça. On fait la momification, on fait le flou là, on fait ça, hop. Et hop. J'aurais pu faire le vol du temps aussi. Ouf, le réseau m'a fait paniquer <laughs> Ok, bon c'est la bataille entre le chasseur fût et l'arachné. Ok, il est de ce côté. Est-ce qu'il va s'approcher Piège d'Imo Non, il va peut-être pas s'approcher en fait. Il va juste se dire euh, je vais m'écarter. Donc voilà, comme j'ai le niveau 160, maintenant je peux mettre le ocre et je peux aussi mettre... Évidemment, la synchro niveau 6, et ça c'est un truc de fou. À quel point c'est utile La synchro level 6, ça me fait tout. Enfin, c vraiment, c'est d'une qualité euh, incroyable d'avoir la synchro 6. Par contre, là, est-ce que j'ai la cahote Oh J'ai aucune invocation, du coup je suis dans la merde totale, là. A few later. Bon, c'est le tour de Mommy. Là, c'est le tour où ça va être vraiment intéressant. Euh, on n'a pas le flou, malheureusement, donc c'est pas, pas vraiment trop grave non plus, mais... On va pouvoir faire des trucs. Alors, on va se faire ça. Tac. On l'a boosté. Euh, ok. Tac. Hum, on va se mettre ici. Ok. Voilà. Ok. Bon, on a réussi à le trouver. On a réussi à le bloquer. Ouh, ce qui fait vraiment plaisir parce que j'avais un petit peu peur au bout d'un moment de courir 3 km euh, <laughs> sans le trouver. Et là je l'ai trouvé, le petit SRAM. Bon, on va voir ce qu'on fait. Euh, Qu'est-ce qu'il va nous faire Aria SK. Bon Il va mettre une poisse, donc forcément, bah ouais, c'est utile, hein, clairement. Le problème c'est que la poisse, la synchro n'est pas prise en compte. Donc si je la booste bien, on va pouvoir faire des choses sympathiques. Ok, il m'érode. Il n'y a pas vraiment de besoin d'éroder, hein. En 1v1, bon, coco si j'ai le do coco, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je vais jamais les rôder. Hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, on va faire le petit rollback. Tac. Euh... Alors, est-ce que du coup, je tente des choses avec la synchro ou est-ce que je la fais péter maintenant euh, Non, je pense pas. On n'a pas besoin en fait de la faire péter maintenant. On peut faire un flou. Euh... Ouais, ou juste le frapper en hein. rayon obscur. Ouais, ça fait 830. On va pas cracher dessus. Hein. Tac. Allez, chasseur, va le taper. Faut ouais, aller le taper au moment 1500 points de vie Il aura un tour à vide Donc là il est encore visible Et prochain tour il sera invisible Il va peut-être essayer d'aller tuer ma synchro au final Ou pas du tout Ah Attention vais-je rentrer dans le réseau Est-ce que je vais mourir C'est ça la question Si je meurs à mon avis Ah non je tiens le coup Donc ça veut dire que j'ai peut-être une chance au final euh... Est-ce que j'ai une chance déjà Tac. Tac. Alors. 1200. Et du coup, nous, est-ce qu'on le tue ou pas Non, je crois que ça ne le finit pas. Si ça le finit. La L'arachnée finit. Oui <laughs> L'arachnée qui finit Oh mon dieu <laughs> Oh mon dieu L'arachnée qui finit Bon allez, un dernier petit combat. Pour la route. Bon, dernier petit combat, les amis. Je vais essayer de vous montrer quand même Kra. Si j'y arrive, j'essaie de, de chercher un petit peu. Je viens de battre un roublard 192. Enfin, j'ai fait un petit peu de tout. Mais j'avais envie de vous proposer quand même un, une classe qu'on voit tout le temps. Parce que ceux que j'ai affronté, voilà, c'était de level le 200 qui était en street et tout. Et pour vous dire que des fois, c'est faisable contre Kra et j'arrive à en battre. Le seul truc, c'est qu'il faut rusher. Il faut foncer comme un âne dedans. Il faut juste euh, y aller, tout donner. Euh, c'est moi qui ai l'initiative, donc on va, on va aller tout droit. Il faut éviter les Lignes de vue, faut éviter un petit peu de, de se montrer. Euh, si vous pouvez vous placer une synchro, même devant, hein, c'est vraiment pas gênant. Quitte à ce qu'elle se fasse toucher et qu'il utilise des PA dessus, c'est vraiment, euh, vraiment hyper euh, hyper intéressant de faire ça. Donc, ça, euh, et du coup, on reste comme ça. On peut même faire revenir une fuite encore, comme ça, on atterrira ici. Et ici, c'est pas dégueu, c'est à dire qu'après, on ça nous laisse le champ libre ici. Allez, c'est parti, on a 3900 points de vie. On va dire hello. Donc euh, voilà, j'ai fait quelques combats quand même. Je suis plutôt content de cette petite session qui me fait vraiment plaisir. J'apprécie vraiment jouer avec Xelor. Mais j'ai envie, voilà, parce que le côté air du Xelor est hyper intéressant pour la gestion de terrain. Vous pouvez tacler, euh, fuite, vous pouvez vous enfuir des, des ennemis assez facilement et tout. Ça, c'est vraiment cool. Oui, qu'ils utilisent des ressources dessus, c'est ce que je vous avais dit. Donc let's go. Euh, on peut se mettre là ou pas euh, Non, on atterrit dans le mur là, c'est un peu chiant là. <laughs> c'est un petit peu chiant là, ici. Euh, on peut faire un cadran aussi pour y aller. Ouais, ouais j'aime bien le cadran. Allez, go! Let's go! Ok, alors. Donc là, on peut faire la technique à la con, ce que j'appelle. Euh, c'est juste. Regardez. On va faire ici. Parce que j'ai encore les PM, donc c'est cool. Frappe, gelure, flou, Rambo, fuite, coller. Voilà, nickel. On l'a rusher. Bon, là, il va nous taper très fort, hein, c'est clair, on le sait. On sait qu'il va nous taper, mais c'est pas trop grave non plus, on va revenir avec la fuite, lui il va revenir ici avec le Rambo, il a beau nous taper très fort, il ne nous tuera pas <laughs> Ok, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a fait du retrait PM, pas trop gênant, ah ouais il a fait du retrait PA par contre, ça c'est chiant, ok on fait ça, on fait ça, j'aimerais bien faire péter une petite synchro aussi pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, euh, on peut faire un paradoxe, non on peut pas faire un paradoxe, il n'y a aucun intérêt à faire un paradoxe. Hmm, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait bien faire parce que là ça sert à rien, on va faire. Le Rambo, il sert à rien, il nous met dans des situations de merde. Je préfère être en comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça Ouais, double fuite. Ouais, on va rester là. Il va pas pouvoir fuir non plus à l'autre bout du monde. Le retrait PA qu'il a fait est vraiment fort. Hein. C'est vraiment intéressant pour lui de faire du retrait PA. Et j'ai mis, vous voyez que j'ai mis la synchro devant et au final, ah voilà, il se prend un petit peu de dégâts avec le contre. Il lui reste 10 PA. Là je vais manger. Hein. Là je vais manger. Yes. Ok. <laughs> Ce que je vous avais dit, je vais manger, je vais récupérer le PA quand même. Ça va être, ça va être cool. Euh... On va voir. On va voir. On va voir. Le moins 2 est quand même chiant. Hein. Le moins 2 est vraiment chiant. Non c'est bon, je l'ai récupéré en fait. C'est juste que dans la tête je me dis ça, mais ouais, le moins 2 est vraiment chiant. Ah là là, crac, 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 cra, c'est crac, cra. Donc, où est-ce qu'elle nous fait revenir Nous, ça nous intéresse pas, ça. Donc, on préfère poser un chauffeur. Euh, tac, 800, qui est plutôt pas mal. Hein. Pas dégueu, pas dégueu. Non, on n'a pas le chauffeur. Donc, on peut faire. Euh... Ça, ça n'a pas d'intérêt. Hum. Mmh. Ouais, je le laisse en état téléfrag pour la suite. Hein. Là, l'idée c'est de le laisser un maximum téléfrag et de l'obliger à utiliser des ressources voilà, sur ma synchro ou de se décaler, chercher une ligne de vue. Il peut faire aussi double enflammé, hein. mais moi ça, ça me va s'il fait double enflammé. Je préfère qu'il fasse ça que des percées, des trucs dans le genre. Euh... Non, il... en fait, il est, je sais pas s'il est haut, je sais pas s'il est multi-élément, mais il a l'air de vouloir vraiment taper euh... dans l'élément haut. Bon, j'ai les fuites quand même qui peuvent, euh... qui peuvent faire la différence, qui vont me faire revenir vers lui. Voilà, parfait. Ok, ça c'est cool. Est-ce que j'ai une entité Euh... Ok, non, il n'a pas d'entité. Par contre, on peut faire rayon. Rollback, ça fait venir ici. Hein. Ah. J'aimerais bien faire péter ma putain de synchro, mais je peux pas là. <laughs> il me dérange de ouf parce que je peux pas... Est-ce que je frappe juste pour l'utiliser la... à la synchro C'est vachement con quand même. Je pense qu'il faut faire... Non, juste flou, hein. Flou, Rambo. Ouais, non, ici, on est bien. Je préfère même être ici. Quitte à avoir moins de PA, il va revenir là, donc. Euh... Euh, quitte à avoir moins de. Ok, il me pousse. Il va revenir au même endroit de toute façon, donc nous on s'en fout. Ah, il va faire encore la ralentot en zone. Ouais, il tue pas la synchro, il va devoir utiliser 2 PA dessus. Bon <laughs> On n'a pas fait des masses de trucs en termes de défrag, il va revenir au même endroit. Mais là, c'est bon Là, on va pouvoir enfin faire des trucs sympas. Bon Allez let's go, ok c'est parti, on va faire frappe, on va faire euh, rayon, gélure, TP, et ben voilà on aura fait cette petite synchro, on lui dit GG et si on finit sur une synchro qui à mon avis aurait bien cassé des bouches, dommage qu'on puisse pas voir les dégâts mais je peux monter... Vraiment très très loin Ça me fait très plaisir de vous avoir présenté ce petit Xelor N'hésitez pas à me proposer des modes R Si vous en avez, si vous avez des idées avec le retrait PA Si vous êtes content justement De ce changement de euh, D'éléments, on en parlera dans les prochains jours Je vais continuer à trainer avec Je vais continuer à vous faire des lives avec Je vais faire plein de choses J'espère donc que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker si c'est le cas Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Je vous aime, bye bye tout le monde